Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et je suis chargée comme pas possible. Il est 6h30 du mat, les oiseaux chantent, les coqs aussi. Et bah voilà, je vais en concours avec Soleil. On va récupérer coach Amandine en même temps qu'il part avec nous. Après on récupère coach Mareva, on récupère Lolo supporter. Et on part dans le secteur de Meaux, on va à Meilhan-Mulsien. Voilà, j'espère que ça se passera aussi bien que la dernière fois. Je suis pas trop stressée pour une fois, mais justement c'est pas trop bon de pas être stressée. Je sais pas, j'ai un peu peur. Donc voilà. Et là, il y a les petits Pounce. Il y a Sangoku. Soleil. Ah, on part en concours à la star. Bon allez, c'est parti. Déjà, on a récupéré Amandine qui a fait toute la route avec moi. Et là, on est à Ikea Evry, pour ceux qui connaissent. Et on a la petite Lolo. Ouais, bon Lolo et pipi. Ouais. Wow, la belle gosse. Mais quelle starlette. Yo. Du coup, tu vas prendre la caméra de Léa. Bah ouais, c'est moi qui filme. Bon, bah on part sur le dressage, nous. On a, je pense, bien 10-15 minutes de marche. Donc bah on y va, hein. Oh la merde. Il y a Léa qui est là avec Amandine. Et moi je mange comme d'hab quoi. On part comme d'habitude sur notre reprise de dressage sous l'œil attentif des juges. On avait du coup deux juges pour cette reprise, un qui nous note à 69,3, l'autre à 63,4. Donc une très grande différence. La différence se marque déjà rien que sur l'entrée où on obtient 8 avec le premier juge et on obtient 6,5 avec le deuxième. Donc rien que là, on comprend déjà qu'il y en a un qui nous kiffe pas vraiment, mais c'est pas très grave. Ça va qu'il y en avait deux du coup. Ensuite, on part sur notre première diagonale au 3 allongé. On obtient 7,5 avec le premier juge et 5 avec l'autre. Voilà, le ton est donné pour la suite. Du coup, je vais vous donner que la note du juge qui nous met les meilleures notes, qui sont à mes yeux les plus justes pour le coup. Et bah, les notes du deuxième, vous les verrez sur la vidéo, je les marquerai. Là, le sable était ultra profond, c'était hyper compliqué. Ensuite, on part sur notre deuxième petite diagonale. On obtient 6,5. Il me marque qu'il manque de foulées de pas, alors qu'on en fait bien 5. C'est 3 à 5 foulées de pas. On en fait 5 et il m'en manque. Bon, c'est pas grave. Là, on trotte. Soleil est dans une top attitude. J'adore. Franchement, ça fait plaisir à voir tout le travail comme ça. Ce gros fessier bien musclé aussi, c'est un kiff. On fait notre premier cercle de 12 mètres qui est bien fait, j'ai bien fait la bonne taille, je suis très contente. On obtient 7, trop bien, très très contente. Puis on fait notre premier départ au galop et on obtient 7 à nouveau. Ensuite on fait notre demi-cercle de 20 mètres au galop allongé et on obtient 7, même si le galop n'était pas vraiment allongé. Ensuite, on fait notre demi-cercle pour rejoindre la piste en E et on obtient 6 parce que Soleil avait du mal à passer les hanches. C'était très compliqué ces derniers temps de faire ce cercle. Et ensuite, on repasse au trot de travail et on obtient 7. Encore une fois, le sable était très profond dans les coins, c'était très difficile. Et pour l'arrêt en A, on obtient 7,5. Ensuite, on part sur nos éléments au pas. Donc là, Soleil va avoir tendance à s'enfermer un petit peu, mais j'ai pas le droit de lâcher les rênes avant P, où il doit faire le pas allongé, donc c'était assez compliqué. Donc là, ça y est, je peux enfin tout détendre, et je lâche pas suffisamment, malheureusement, il demande beaucoup plus, mais je peux pas tout lâcher non plus au risque qu'il remonte complètement la tête. Donc c'est encore un petit truc à doser, mais je suis très contente, il descend vachement bien et c'est cool. On obtient du coup 6,5 sur cette figure. On repart au trot et on obtient 6,5.
Puis on va faire notre deuxième cercle de 12 mètres que je fais encore une fois à la bonne taille. Et ça c'est vraiment bien, j'ai enfin compris où est-ce qu'il fallait que je me situe. Et on obtient 7 du coup sur ce cercle. On fait un départ au galop de travail à gauche, on obtient 7. Puis on va faire à nouveau un galop allongé sur le demi-cercle et on obtient 6,5 parce qu'il est quand même moins développé que le premier qu'on a fait. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de différence non plus. On part sur notre demi-cercle pour rejoindre encore une fois la piste en E et là on obtient 6,5. En plus, cela il manque de se casser la gueule, le pompon. On retransitionne au trot, la transition est brusque, je le sais très bien, celle-là elle est toujours dure, mais on obtient quand même 7. Et ensuite, on va faire notre dernier demi-cercle pour rejoindre le milieu de la carrière, on obtient 7,5. Et on termine par l'arrêt immobilité salut, et on obtient 8. On termine la reprise comme on l'a commencé, avec un 8, et ça fait plaisir. Et voilà, je suis très contente, donc on sort à presque 70% avec ce juge, et c'est vraiment trop bien. Et Soleil est très content de partir au trot. Et d'ailleurs, on gagne le dressage, on finit premier sur 8 sur le dressage, donc je suis très contente. La pression est à son paroxysme, on gagne le dressage. Donc maintenant, ça doit dire sans pause, sans pause. Autant te dire qu'on est dans la merde. T'as la pression là, hein? J'ai la pression là. Alors là, tu fais une barre, tu pèses derrière moi, t'as conscience? Oh putain, la meuf! Je fais une barre, je suis derrière! Vous voyez un peu à quel point elle est mauvaise? Vous voyez l'ambiance entre les youtubeurs, c'est une horreur. Moi, je suis capable de faire la barre parce qu'en ce moment, je suis abonnée aux 4 points, je finis dernière. Bon, du coup, vous l'avez compris, après le dress, on était premier et malheureusement, pour garder cette première place, fallait qu'on fasse sans faute sur le CSO et c'est pas du tout ce qui s'est passé, on a fait 8 points. J'ai voulu monter Soleil en version CSO plus classique, en étant les fesses bien vissées dans ma selle et en recomptant chaque foulée, en me disant là on prend la longue, là on en rajoute une, et c'est vraiment pas une manière de monter qui convient à Soleil, on s'en est vraiment rendu compte sur ce tour-là. Soleil, c'est un poney qui a besoin de galop et juste de se débrouiller par lui-même, je dois rien faire. En fait, c'est lui qui prend les décisions, moi je ne dois rien faire. Et rien décider à sa place, donc voilà, ça se confirme sur ce tour là définitivement j'abandonne cette façon de monter et tant pis, ça sert de leçon et on le saura pour les prochaines fois et c'est comme ça qu'on évolue. Donc je vous laisse avec ce parcours de CSO qui me plaît pas du tout, voilà, j'ai le seum, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Je vous laisse avec. Ici Albert reporter, un petit mot? Non, j'ai pas de mots là. Je pars au suicide, clairement. Je fonce vers ma mort, je n'ai pas d'autres mots. Si tu veux que je dise de plus, on va mourir. Il faut soulever le saut d'Aléa. J'ai trop peur. Tout va bien se passer. Non. Allez Léa! Non? Lui, il adore ça. Oh! Ça, non! C'est bon? Allez, chat! Dis donc!
Très bien. Très bien. Et allez, on y va. Voilà. Doucement. C'est bien mon chat. Le dos de droite. Le dos. Bon bah voilà, vous l'avez compris, on est sans faute sur ce cross que j'appréhendais genre énormément, mais je sais même pas vraiment pourquoi, parce qu'il était pas si dur que ça, il était surtout très très long, très en pente, et soleil a un équilibre qui est genre pas ouf, donc du coup j'appréhendais beaucoup, notamment une très grosse pente, on m'entend le ralentir beaucoup, je la descends au mi-pas, mi-trot, parce que j'avais très peur de finir en roulé-boulé en bas de la pente, mais voilà, ça s'est très bien passé, aucun problème pour remonter à fond les ballons, aucun problème pour sauter les obstacles, il y avait un passage dans le gué, je l'ai annoncé bien à l'avance pour qu'il enregistre le fait qu'il y avait un truc qui allait arriver, pour pas le surprendre comme un mot, et c'est passé crème, la pointe c'est passé crème aussi, alors que j'appréhendais beaucoup la pointe, j'y sais jamais rien passé sur une pointe, mais j'ai peur des pointes, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, là on l'a passé, c'était nickel. Enfin vraiment un cross trop trop bien, je suis très contente de mon poney. Ça nous a permis de passer du coup de la dernière place à la place du milieu. On a fini 4ème sur 8 du coup de ce complet. On a clairement fait les extrêmes, on a fait la première place après le dressage, on a fait la dernière place après le CSO et on est revenu au milieu après le cross, voilà. Du coup pour le CSO, comme je vous dis dans la voix off, bah j'ai voulu le monter différemment que ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est-à-dire que je l'ai monté version plus CSO classique, comme on va monter sur un CSO pur, c'est-à-dire en étant plus assise dans ma selle, en voulant un petit peu bidouiller, genre allez on remet une foulée, allez on prend la longue, et c'est pas du tout quelque chose qui convient à Soleil, là c'est sûr, c'est confirmé sur ce parcours là, ça lui va pas du tout de le monter comme ça. Soleil c'est un poney qui a juste besoin de galop,
d'y aller, de galoper, et c'est lui qui se débrouille, c'est lui qui fait ses choix, et ça lui va très bien. Si c'est moi qui commence à dire, ah, attends, là on en remet une, lui là genre, hey, mais c'est pas ma décision, genre, enfin, qu'est-ce que tu fais meuf? Et ça lui va vraiment pas, c'était quoi cette voix de merde que j'ai fait? Bref, donc voilà, je suis assez déçue là-dessus, parce que bah si on avait fait sans faute, bah on était premier dès le dressage, ça aurait été ouf. Mais voilà, avec Desi, on refait le monde. J'ai préféré le monter d'une façon différente pour aussi confirmer que la façon dont je le montais ces derniers temps était la bonne, que c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Et ça se confirme clairement que c'est ce qu'il lui faut. Et je préfère faire cette erreur-là et prendre cette décision-là sur un concours plutôt que le faire à la motte. Ce serait quand même complètement con. Donc voilà, ça se confirme. Et je vais le remonter en version plus cross, entre guillemets, c'est-à-dire en étant beaucoup plus en équilibre, en le laissant prendre ses décisions. Parce que clairement, sur un cross, je suis pas du tout en train de calculer mes foulées. Il se débrouille et ça lui va très très bien. Donc je vais remonter CSO version cross et ça ira très très bien. Et sur le dressage, bah voilà, on a un juge qui est presque à 70, un autre qui nous met 63. Il y avait Noki qui était là, je sais pas si vous connaissez Noki, c'est une application je ne sais même pas trop comment la décrire. Bref, allez voir leur Instagram. Mais il y avait Leila qui gère Noki, qui était là, qui est juge de dressage et qui nous a jugé entre guillemets depuis l'extérieur de la carrière. C'était pas une juge officielle, mais voilà, d'après son œil extérieur, qui est quand même celle d'un juge, et ben elle a clairement dit qu'on se rapprochait clairement plus du 70 que du 63. C'est vrai que 63, vu la reprise qu'on a fait et vu les reprises qu'on a fait précédemment, 63 c'était la note qu'on avait sur nos toutes premières reprises. Donc autant vous dire que là, vu la gueule de la reprise qu'on a fait, 63 c'est complètement genre what the fuck. Enfin, le juge nous a pas du tout kiffé, il a pas du tout aimé mon poney, ou il a pas du tout aimé la couleur de ma veste, j'en sais rien, mais enfin, les notes sont pas trop compréhensibles, et vu l'écart de notes qu'il y a entre les deux juges, bon, vaut mieux se situer à peu près au milieu. Donc voilà, ça nous fait 66% dans la moyenne des deux. Faut pas chercher à comprendre, enfin je cherche même pas à comprendre finalement. Je trouve que les notes du juge qui nous met presque 70 sont clairement plus justes, en toute objectivité, clairement c'est plus juste, voilà. Et c'est pas grave, c'est qu'un détail, dans tous les cas on gagne le dress, donc autant vous dire que l'autre était très sévère quand même. Mais je suis très contente de savoir qu'on peut gagner un dress, on finit quand même premier sur 8 du dressage. C'est quand même assez honorable pour un poney qui a commencé à dresser il y a 8 mois, hein, je tiens à le dire. Voilà, voilou, sur ce, eh ben, j'espère que ce petit vlog vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.